Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de mon Let's Play Crusader Kings 2. Alors, dernier épisode, j'ai réussi à perdre deux empereurs quand même. Je pense que c'est un record, hein, deux empereurs en 20 minutes. Alors, l'expédition parvient enfin au royaume de Haut-Chef Ialem 2. Un cadeau destiné à Thémonie, une dizaine de bons chevaux. Bon, on va pas lésiner sur les moyens hein, après avoir fait ce voyage. Je pense que ce serait bête. Alors j'ai vu que les Mongols avaient... L'Empire Mongol a franchement tout ramassé sur son passage là. Alors lui... vous n'avez pas assez d'or pour acheter ma terre, ok. J'ai pas besoin d'argent, hein, donc... vous remarquez la face du chef. Je sais rien. C'est qui lui? Ah, il est de ma famille lui. Bon, on va essayer d'amadouer. Le but c'est quand même de d'en tirer quelque chose. Zélé. Alors Zélé c'est bien jusqu'à un certain point. Le problème c'est le caractère opposé qui me dérange un peu. Et puis les événements qui vont avec aussi. Bon, j'essaye quand même. Je l'ai eu. Ouais, il y a beaucoup d'événements liés à Zélé qui pouvaient être un peu ennuyeux. Ouais, mais c'est quoi l'accord, là? Ah, ça va peut-être être ça. Maintenant que la nouvelle route commerciale est en place, vous retournez chez vous et revendez vos denrées à un bon prix. L'afflux de nouvelles choses bénéficiera. Alors, 500 d'or, oui. 150 de prestige. Impôt des cités, 30% sur la capitale, hein. Empereur obtient marchand, intendance plus 2, ça m'intéresse. Empereur obtient relation d'affaires, opinion, ouais, c'est pas mal. Un bon événement, qui a marché en plus, je pense que c'est pour ça. Ouais, je passe à 6 sur 7, donc il va falloir que je... Tiens, bah, puis en fait j'ai fait un haut fait. Ouais, je vais lui donner je crois. Ça améliorera nos relations, c'est quand même un duc, mine de rien. Il est fâché en plus parce qu'on a un peu... Il mange avec les doigts aussi, c'est pas poli. Bon, je vais le payer, de toute façon, je pense que ça va nous rapporter avec le temps. J'aurais tort de me le mettre à dos comme ça. Sans véritable raison. Ok, alors, j'ai dit qu'il fallait que je change... Mon conseiller, je vais bel et bien essayer de me mettre sur Brabant, la capitale du duché, pour avoir le duché. Ok, là, y a rien. Alors, pour ce qui est, je voulais regarder le statut des femmes. Je peux pas aller au dernier niveau. Il me faut 6 en tolérance. Une souveraine ne s'expose pas à des modifications d'opinion négative, ce qui serait assez sympathique, je dois dire. Mais ben voilà, j'ai pas encore assez. Ça va me demander encore pas mal de science, je pense. Là, je vais faire le dernier niveau. Ça coûte pas très cher. Puis j'aime bien avoir toutes mes sciences au même niveau. Et merde, ça va être un vrai problème. J'arrive pas à changer les lois. C'est compliqué. Là, il va falloir que j'attende 10 ans. Du coup, je prends le risque de perdre... Alors maintenant que je suis un empire, il restera à l'intérieur de mon empire, mais je perdrai le titre. Je préfère avoir tous mes titres de roi pour l'instant. Mais j'ai pas trop de solutions. D'abord, il faut que j'attende 10 ans. Ensuite, évidemment, il va falloir une opinion positive avec tous mes vassaux. Donc ça veut dire qu'en attendant, je peux pas faire de purge, entre guillemets. Ça c'est un peu dommage parce que c'est vrai que j'aime beaucoup Prince Bertha de Bretagne. Et moi par contre j'ai un problème, c'est que ma femme a déjà 30 ans, elle a toujours pas eu d'enfant. Bon, j'ai toujours un héritier potentiel ici. Il veut être général lui, c'est ça? S'il veut. Il sera toujours temps de le virer s'il se révèle pas être à la hauteur.
Ce sera pas trop grave. Alors, les Hispaniques ont l'air d'avoir quand même quelques soucis. Ils sont en guerre contre la Lombardie pour Fort-Calquier qui est ici, quelque part par là. Je ne sais plus où. Je sais que c'est pas loin par ici, mais je sais plus où exactement. Ah zut alors. Ah, c'est là, voilà. Honnêtement, je me ferais bien une deuxième guerre contre. Faut que je regarde mes revendications. Alors, le bûcher de Bohême pour ma belle-mère. Pas de ma dynastie, donc ça pose un problème. Ouais. Comté d'Argovie, alors ça, on est en trêve, c'est même pas la peine d'en parler. Le malus pour rompre une trêve est vraiment énorme. Mon beau-père, mon chancelier, mon parent, ah, ça c'est intéressant. Il est en guerre contre. Ouais, contre le duc de Castille. Le duc de Castille. Il est chez moi, le duc de Castille. Ouais. Il est en guerre pourquoi, là? Guerre pour faire payer un tribut au roi Jourdan. Ah, il a des. Je serais tenté de dire. Je voudrais pas être mal poli, mais c'est osé quand même. Oser de déclarer la guerre à un roi, surtout sans alliés, quoi. Peut-être qu'il n'avait pas prévu de pas avoir d'alliés, mais. Ouais. Alors, du coup, je sais même pas comment il ose faire ça, quoi. Il a 10 000 hommes, hein, quand même, hein, donc bon courage. Royaume de Germanie. Ah, c'est quand même fort, ça. Hein. De trêve pour tout le royaume de Germanie, quoi. Je pourrais avoir tout le royaume de Germanie. Normalement, je devrais l'avoir directement. Comme c'est mon vassal, oui, c'est directement mon vassal en plus. Par contre, son territoire est pas en Germanie. Je sais pas ce que ça peut donner. Ça, honnêtement, c'est quand même super tentant. C'est violent, quoi. Tout le royaume d'un coup. Ah non, merde, non. La Germanie, c'est pour la princesse de Germanie, là. Donc, elle est pas de ma famille, ça sert à rien. Ah. Et Mayence. C'est un petit peu faible, quand même, comme revendication. C'est tentant, quand même. Il n'a pas beaucoup d'hommes par rapport à moi. Ce qui me dérange, c'est ça. Avec 134% et 115%. Heureusement que j'ai de l'argent, quoi. Je vais peut-être attendre un peu avant de me lancer dans une aventure quelconque, là. Ce chiffre est pas très encourageant. Ouais. Bon, j'avoue que les. Le let's play est très long, hein. Ça fait déjà, je crois, 130, près de 130 vidéos. Et la sauvegarde commence franchement à m'ennuyer un petit peu. Bon, mais je vais continuer, hein. J'ai dit que j'allais continuer pendant quelques jours. Mais j'aimerais bien me trouver. Ouh, ça c'est toujours intéressant, un peu de science. Alors, comté d'Urgell, je vois qu'il y a une autre revendication pour un duché entier là. Ah, mais j'ai une trêve avec l'Hispanie. Votre beau-père. Votre parent. Ouais, bah j'ai la marche, ça se confirme. Ce qui m'embête, c'est ça, quoi. Faudrait que j'attende un petit peu, peut-être. Tiens, une révolte Fort-Calquier, juste l'objectif de la guerre. Guerre que j'ai l'impression qu'elle s'est achevée, ouais. Ouais, donc faudrait que j'arrive à baisser ça là. Ouh là là, quand je vois la liste là. Impressionnante. On va distribuer quelques titres. Ah, pff, lui c'est mort. Essayer de faire passer quelques gens dans les positifs, ça change pas tout honnêtement. Ça,
C'est pas parce qu'ils vont être dans le positif qu'ils vont tout d'un coup s'arrêter de comploter, mais enfin bon. Ça augmente quand même les chances pour que ça cesse. Quand je vois le nombre, sérieux. C'est assez impressionnant. Et pourquoi tous ces gens ne m'aiment pas? Faut quand même que je regarde. Même si de toute façon, j'y peux pas grand-chose. Ouais, y a court règne, évidemment. Diplomatie, je suis nul. Il y a beaucoup de choses, hein, en fait. Ouais. Du coup, je sais pas si je peux vraiment me lancer dans quoi que ce soit. Non, il commence à me saouler à vouloir. Comte de Durham. À la rigueur, je peux le garder pour l'instant puisque je suis à 7 sur 7 et il fait partie d'aucun duché. Enfin, dans un, il fait partie d'un duché que je peux pas encore réclamer, donc je vais garder ça. Bon, je vais pas gagner beaucoup de troupes, hein, 824. D'ailleurs, ça me fait penser, faut que je regarde si j'ai pas. Ouais, j'ai quelques améliorations à faire. Peut-être que j'en ai d'autres. Donc chantier naval, non. Chantier naval. Je crois que j'aurai que ça partout. Ça m'intéresse vraiment pas. Ah non. Bien ça. Ça me fera des troupes en plus. Ok. À Nantes. Enfin, Naoned, là, c'est Nantes en fait, hein, tout simplement. J'ai. C'est quoi ce délire? Occitane. On peut pas avoir un breton, elle, comme tout le monde. Elle s'éduque à quoi, elle? Je sais même pas trop. Héritage, érudition, diplomatie, sérieux. C'est quoi ce Beans? On va lui trouver un diplomate breton. J'espère qu'elle va repasser de l'autre sens. Honnêtement, ça m'étonnerait. Question culture, je crois qu'on est vraiment pas mal, ouais. On a bien réussi à convertir, hein. Finalement, on n'a pas les messages, hein, au fur et à mesure qu'on convertit, parce qu'en fait, on contrôle pas les territoires en direct. Mais les conversions vont quand même bon train, je trouve. Alors, je sais définitivement pas quoi faire. Est-ce que je me fais ma petite guerre ou pas, là? Ce chiffre n'a pas tendance à diminuer, quand même. Ouais, je fais beaucoup de prestige par mois. J'ai 28 vassaux-ducs, 10 comtés, 18 baronnies, j'ai un empire, j'ai 6 royaumes, un duché, 7 comtés. Ça rapporte, hein, somme toute. En fait, il n'y a qu'une chose un peu décevante, c'est les revenus, je dois dire. Ça, c'est pas terrible. Alors ça, je veux voir à combien je suis. Je suis à 15. Ah! Honnêtement, si je pouvais avoir un héritier, ça me rassurerait. Ouais, donc la menace est pas très élevée, ça va. Tant qu'on est en dessous de 50, honnêtement, on est bien. Si je pouvais avoir un héritier, ce serait cool. J'ai déjà le nom du prochain, de mon prochain héritier. J'ai promis à ma femme de lui trouver une monture décente. On va payer, hein. Franchement, j'ai pas envie de jouer les avares, hein. De l'argent, je m'en fais. Donc autant essayer de la rendre heureuse, entre guillemets. Un cheval, rien de tel. Alors, les loyaux serviteurs tels que moi méritent de la reconnaissance. Oh, il commence à me saouler, lui. C'est pas lui, déjà, qui m'avait couvert de honte, là. Ah, il veut carrément un comté, lui. Non, mais il est fou, lui. En plus, c'est quoi ce comté, sérieux? Ouais, c'est bien ce qui me semblait, hein. C'est chez moi, ça. En plus, je suis à 7 sur 7, donc. Je sens qu'il va encore plus me détester. Ouais, c'est pas grave. On fera 100. Tiens, lui, il est presque positif.
Ah, ça c'est dommage. Décidément, il est pas doué, hein. Le problème, c'est que j'étais obligé de prendre des gens pas doués dans la vie. Et du coup, tiens, celui-là, il est un peu mieux. Bon, de toute façon, il me déteste déjà. Remarque, celui-là, il me déteste aussi, mais... Je pense qu'on va quasiment le remonter à zéro si je le nomme. Et puis, il sera forcément un peu mieux que celui-là. Sérieux. Convoite le titre du royaume de... Ah ouais? C'est vrai? Ah oui, c'est un royaume là-haut, ça. J'avoue que... Je ne connaissais pas ce royaume. Je sais pas à quoi ça correspond. Ça doit être en langue... en saxon ou... Je sais pas trop. La culture, c'est quoi? Ah, une petite révolte. Si ça pouvait me faire faire un peu de prestige. Alors, elle est où? Elle est là. Je vais lever mes troupes moi-même, hein, parce que... En fait, j'ai pas envie de lever les troupes de mes vassaux. Ça n'arrangerait pas nos relations. Par contre, je vais mener mon armée. Même si j'ai pas des bonnes stats. Si j'ai une chance de perdre le trait lâche, honnêtement. Je pense que ce sera tout ce qu'il y a de plus bénéfique. Alors, je vais pas répondre à ça. Je sais pas si vous entendez. Je vais continuer. Ah, taux de renfort. Il faut que je regarde le taux de renfort où j'en suis. Je crois que tout le monde est plein quasiment. Ouais. Donc on va faire de la recherche plutôt. Est-ce que j'aurai pas bientôt un niveau... Ah non, ça coûte cher. Hein. On est à un niveau de science où franchement il faut accumuler énormément. C'est bizarre, les révoltés, ils ont dû se prendre une branlée, je regardais pas, mais j'aurais même pas besoin de me battre en fait. On va se faire 20 prestiges comme ça. Bon, ceci dit, c'est pas cher payé. Hein. Bon, je crois que finalement je vais vraiment être obligé de prendre. Ah, je vais pouvoir choisir le nom de mon héritier. Donc c'est le suivant, Conan. Je peux pas mettre une majuscule là, ça me choque. Je sais pas si elle est mise automatiquement, honnêtement. Donc je vais la mettre moi-même. Ok, Conan. Oh, ça sent le breton, Conan, ou pas? J'en sais rien en fait, très honnêtement. Mais en tout cas, ce sera le premier Conan de ma dynastie, hein, ça c'est clair. Alors, je vais renvoyer mes troupes. Bon, je vais. Du coup, je vais faire un épisode court parce que faut que, comme vous l'avez compris, j'ai un coup de fil à passer. Et merde. Ah non, si, c'est bon, pardon. Par contre, c'est que le duché, c'est dommage. Honnêtement, je vais faire sur le duché, tant pis. Hein. Ça coûte cher. Hein. Mais honnêtement, je crois pas que ce soit. D'ailleurs, j'ai même pas regardé, mais la vassalisation. Non, ok, c'est pas possible. Donc, Évreux, il a des alliés, mais ce sera pas un problème. Duc d'Anjou, ça m'intéressait pas. Donc, Évreux, c'est parti. Je vais quand même lever toutes mes troupes et on va essayer de faire ça vite. Ouais, il n'a pas levé énormément de troupes. Par contre, je crois que je vais avoir un petit souci. En Angleterre, j'ai l'impression qu'ils sont plus nombreux que moi. Ouais, je sais pas, parce qu'il y a beaucoup de révoltés, donc on verra au fur et à mesure. En tout cas, on va essayer de frapper fort. Assez vite. Je serais tenté d'attaquer direct. Je me mets à la tête de mon armée. Hein. Le but, c'est vraiment d'essayer de me débarrasser de ce caractère lâche là. Ça va pas donner forcément des très très bons résultats. Hein. J'ai réussi à. J'aimerais bien me regrouper sans me battre, honnêtement.
Oh merde, ils sont nombreux. Bon, c'est pas grave. Ça va pas nous empêcher de gagner, honnêtement. Et merde. J'avais pas vu que c'était rouge, là. Ah, j'ai fait un prisonnier dès le début. J'ai pas trop regardé. Bon, du coup, on va mettre tout le monde à côté. Pour faire deux sièges en même temps. J'ai quand même beaucoup de troupes, hein. J'espère que ça va être rapide. Oh, il n'y a pas de défenseur dans ce château. Il a quasiment rien fait. Avec si peu de défenseurs, je vais très vite donner l'assaut, ça c'est clair. Tiens, il a eu... il a une armée là qui vient l'aider, un allié. Je vais de ce pas l'attaquer. Après la sauvegarde, évidemment. Ceci dit, je vais arrêter la vidéo puisqu'il faut que je... J'ai des choses à faire. Ok, je vous laisse, je vous donne rendez-vous demain bien sûr pour la suite de ce Let's Play.